بقدر ما عم بقدر شرب الماء كثير عطينا درس كثير كمان نسرين كالم داون كالم داون يو هاف تو دو ات اي كانت ما بوركوا شربيل معقول يعني اول سنه بعمري ما رأيت ثاني بسنه بعمري عطينا 8 لغات لندرسها ما عم بفهم لشو كل هاللغات هاي هاتك يا توماتك يا توها يوما توغار خلص انه يو هاف تو دو ات مثل ما قلت لك حافظ كثير انت ممثل اصلا شغلتك تقدر تحفظ يا لاس داس بيتي انا عاده امي بتحفظ عني ما عليه هالمره احفظي انت جربي شي مره اعملي انت افور مش عم بفهم ليش يعني اليوم الحلقه بدها تكون بغير لغه بس صعب كثير انا خايفه ما اتفركش كذا مره بهالحلقه ما عليه خلص اتكلي علي كونت سور وان سترين كونت سور موا شفتي لغتي شو حلوه انا شو منيحه حفظت كثير منيح خلص من هلا رايح اتكلي علي بالحلقه انا رح اعمل كل شيء اوكي او لك من سقوط هلا بحطوا لنا علامات منيحه ما تخافي نعمل واسطه الي ما بيعمل وسايط كلهم بيعملوا وسايط لما نحن عم نطلب منهم اوكي لما تطلب انت الكل بصير يعمل وسايط خلينا نبلش حلقتنا لليله اتكلي علي رح نستقبل الليله ضيفنا جاي من الجزائر هو جزائري بس جاي من فرنسا مثل ما عم تلاحظوا كل شيء مخربط الليله رح نحكي بكذا لغه لكن بدنا نرحب سوا بضيفنا لليله فوديل موجود بالليموزين يا عمري نحن منتظرينه بالاستديو فاذا كونوا معنا على الموعد السلام عليكم وعليك السلام كيفكم؟ نحن منيح أنت كيف؟ نعم؟ نحن منيح أنت كيف؟ ما فهمتكش فضل لك يومين ببيروت هدي يومين جيت من باريس لبيروت نعم شو بدنا نعمل نسرين؟ ما كتير عم نقدر نتفهم مع بعضنا عم تفهم علينا كل شيء نحن عم نقوله؟ نفهمكم شوية شوية؟ بس عمتون ما تفهمونيش أنا انه كمان نفهم عليك شويه بدك تفهم علينا ونفهم عليك على الاخر نفهمكم شويه وي بصح انتم ما تفهمونيش انا alors qu'est-ce qu'on doit faire ايوا كيف نديرو نهضروا بال alors je crois qu'on doit parler en français un petit peu en français oui voilà. ça va être plus facile شكرا Fodel, je suis anglophone, mais je vais essayer de mon meilleur pour bien communiquer avec toi. Thank you very much. Okay. Dans ton premier album, oui. figurait une chanson intitulée « Ma vie » ou bien « C'est Ya'amri » en arabe. Voilà. Ce soir, tu es invité pour la première fois oui. à un talk show en arabe et au Moyen-Orient. Oui. Et ce programme intitulé « Ya'amri » de même. Je crois que c'est un moment historique. Pour moi ouais, Oui. Pour nous tous. Oui, oui. Alors je vais demander à M. Hassan Munzer, le maestro, de nous jouer un morceau historique pour ce moment historique.
شكرا. فوديل, tu connais bien la musique, c'est oui, une musique sûr. Familière pour toi. Tu sais c'est pour qui? Um Kultum. Um Kultum. انت عمري. انت عمري ام كلثوم. D'accord. Maintenant, mettons une troisième ma vie dans ta vie. Ça serait quoi? Alors, dans ma vie? Oui. Votre vie? Dans ta ma vie. Ma vie? Ah, oulala, ma vie, c'est quoi ma vie? Ou oh, c'est que plein de belles choses. C'est la non, musique non, non. Mettons une troisième ma vie. Une troisième vie? Ma vie dans ta vie. Dans ma vie, moi, une troisième. Ça va être quoi? Je sais pas. Il y avait ma vie, la chanson, ma vie, oui. Le programme. Alors la troisième, ma vie, ça va être quoi? Ma vie, maman. Ma mère. Ta mère. Maintenant, parlons de ta musique. Tu joues la musique raï. Alors, on veut bien interpréter au public, c'est quoi la musique raï? Raï, ça veut dire opinion. Mm-hmm. Opinion. Alors, raï. راي بصح انا الراي نتاعي جديد راه قاش انا جي 24 عام ويعني لي بارول ديالي انا نتاع الناس لامور افيك ان غران تا الحب على الحب ونغني على الحب ونغني على لا في كوتيديان دو ما جينيراسيون فوالا سي la musique mariée le c'est quoi l'amour de ta génération? C'est plein de choses avec par exemple une chanson qui s'appelle Tellement je t'aime, Tellement nombreux que Moutalik, c'est un jour une chanson où j'étais. Est-ce un amour libéral? Oui. C'est un amour rapide. C'est un amour libéral où on peut l'interpréter comme on veut. On peut dire Tellement je t'aime à sa mère, pardon. Est-ce qu'il est pudique aussi? Dans le raï, il est très pudique. C'est ouais. Comme dans la musique orientale. Ouais. L'hub, l'arabe, il est très pudique. Ouais. لكن مشاهدينا صار لها وقت نسمع أول أغنية لليلة. Alors Fodel, tout le monde attend pour écouter la première chanson pour ce soir. Ça va être, attends, Abdelkader. Abdelkader. عبد القادر يا ابو انا مذاق الحيل
الزمن يا ونقارات القايم قديم قدير مزين سيدي الهوى ريد مجهودك وتحزم يا ونقارات القايم قديم قدير مزين عبد القادر يا ابو المدى كل حلقني يا ناوي حالي يا ابو علم سيدي رفعني يا يا ذاك الوادي اروح داويني حادي سيدي عبد المحدان داوي 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 عبد القادر يا ابو علم ذاك الحال علي داوي حادي زيد الروح عليا عبد القادر يا ابو علم ذاك الحال علي داوي حادي ابو علم زيد الروح عليا جدول تعيا تبكي وتقول تعيا تبكي وتقول قديمة قديمة مزيا لا 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 يا ذاك الوادي أروح يا بيني حالي مشاهدينا رجعت مع برنامج ياعمري مع ضيفنا الليله الفنان فوديل. فوديل بيانفينو يا ياعمري من اوتر فوا. شكرا. بدي رحب بالفرقه الموسيقيه بالمايسترو احسان المنذر بكل اللي عم يحضرونا ببيوتهم بالجمهور الموجود معنا وبزميلتي نسرين كمان. فوديل ميلونج مادريس ا توا. وي. تا مير ان جور تا كومباري افيك ماري لافوري. اكزاكتومون. سي كوا سيت كومباريزون؟ سي ان فيت c'est une petite histoire, c'est-à-dire quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle a regardé une... Tu te souviens ? Non, c'est elle qui me l'a... C'est elle qui me l'a raconté il n'y a pas très longtemps, il y a six mois, elle m'a raconté cette histoire, qu'elle regardait la télé, une émission qui s'appelle Jacques Martin, ça s'appelle L'école des fans, oui. Et donc j'étais dans son ventre, six mois, sept mois, et elle a vu Marie Laforêt à la télé avec de grands yeux bleus et elle chantait très bien, elle chante toujours bien, oui. Marie Laforêt, et elle a dit Inch'Allah, hadak lwald ou lalbniya li rahi fkarchi tkoun bhalha. Elle a voulu une fille, ta mère. Elle a dit le garçon ou la fille qu'il y a dans mon ventre, eh ben, j'aimerais bien qu'il chante comme Marie Laforêt et qu'il ait de grands yeux. Voilà, et c'est une histoire vraie. Ça. Alors maintenant, tu vas regarder la caméra parce qu'on va prendre un grand plan de tes yeux bleus. Parfaitement. Ouais. Bon, à l'âge de l'adolescence, oui. Tu as eu le courage de faire un grand mensonge. Oui. Et ça a déclenché une grande carrière. Oui. C'était quoi ce mensonge ? وانا كي كنت صغير كنت باش نغني كنت كذاب حنا نقولوا كذاب جيتي ان مونتور tu avais quel âge كان عندي 14 ans 14 ans aujourd'hui j'ai 24 ans pardon tu es toujours menteur non mais c'était pour une bonne raison que j'ai menti OK parce que j'ai dit à mon producteur il m'a dit est-ce que tu as des chansons et j'ai dit oui انا نفصل انا نغني انا عندي كلمات عندي اغنيات il m'a dit alors ben il faut qu'on fasse un album قلت له oui j'ai les chansons nous sommes arrivés au studio قال لي فين les chansons قلت له je n'en ai pas et il a beaucoup aimé يعني il a beaucoup aimé cette le courage que j'ai eu pour dire que j'ai menti. Il a dit c'est bien, toi tu es courageux. Voilà. Et c'est depuis, on a enregistré Segalna l'Orniette,
وفوالا سا دوني تالمون جو تيم عبد القادر اتوزا. يعني حلو الواحد يكذب اوقات. نعم يعني حلو الواحد يكذب اوقات. وي دي فوا وي دي فوا سي ان جولي منسونج. وي فوالا فوديل نورمالمون لي ارتيست كي كومونس جون s'éteignent jeunes. On ne te souhaite pas ça. Je voulais savoir si tu as des plans ou bien tu as des plans précis pour la continuité de ta carrière. Oui, c'est vrai que en France ou là, en l'américaine ou là, en l'extérieur, il y a beaucoup d'artistes qui commencent jeunes et puis qui s'éteignent jeunes. C'est vrai, mais parce qu'ils ont un mauvais entourage. Ou يعني تراهم l'argent, les belles femmes, les belles voitures, les grands hôtels, ça tourne un petit peu la tête. C'est vrai qu'après il dérape un petit peu, il glisse un peu. Ana يعني je suis issu d'un quartier très pauvre, modeste. Ma mère elle travaillait pas, mon père il travaille un petit peu avec on est beaucoup de frères. يعني j'ai le sens des valeurs. يعني j'essaye de pas oublier d'où je viens. C'est pour cela ma simplicité et mon côté populaire يعني dans la musique en France, je suis connu pour ça, pour ma gentillesse et je suis suffisamment proche du public. Mais j'espère inchallah que je vais pas m'éteindre. Voilà. فوديل ta simplicité واضحة et ton sourire est واضح. Oh, merci beaucoup. Non, mais vraiment, ça a fait de toi un grand professionnel. Merci beaucoup. Bon, parlons des femmes. Oh. Anissa. Oui. Maintenant que tu es célèbre, oui. Tu as une préférence pour les jeunes femmes ou les femmes mûres? C'est vrai que dans ce métier, la chanson, le cinéma, parce que je fais un petit peu de cinéma aussi, oui. Et c'est vrai qu'on rencontre plein de femmes, etc. J'ai eu des expériences avec des femmes plus âgées et des femmes moins âgées. Mais j'ai pas de préférence. Yani, le hub, il n'a pas d'âge. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire que... On peut aimer à n'importe quel âge. On peut aimer à n'importe quel âge, ouais. Exactement. Voilà. Alors, tu as eu... Tu as eu l'occasion d'avoir toutes les expériences. Malgré mon jeune âge, j'ai vécu beaucoup de choses. Ben c'est bien. Maintenant tu peux me dire, est-ce que tu préfères paterner ou être materné? Je pense que nous les hommes, malgré notre côté comme ça fort. Alors tu préfères les femmes mûres, alors tu préfères être maternée. J'ai bien compris. Voilà. Fodel. Victor Hugo a dit une fois, béni soit la providence qui a donné à chacun son joujou. La poupée à l'enfant, l'enfant à la femme à l'homme et l'homme au diable. Est-ce que tu crois que c'est vrai que la femme est le joujou de l'homme ou bien c'est tout à fait le contraire? Je pense pas que la femme, elle soit le... La femme, elle a une sensibilité que l'homme n'a pas. Elle a un sixième sens que nous, on n'a pas. Moi qui chante la liberté de la femme, et je respecte énormément la femme. Et nous, on a aussi des qualités que les femmes n'ont pas. C'est très dur de comparer l'homme et la femme. Je pense qu'on est tous des hommes avec un grand H. Et puis voilà. Alors, Fodel, on va voir maintenant un film préparé par l'équipe de ياعمري. Oui. Un film qui présente des étapes de ta vie artistique. Ok. Oui. Alors, مشاهدينا لكن راح نشوف هلا مشاهد من فيلم حضر فريق ياعمري عن حياة فوديل الفنية. نشوفه كلنا سوا. Fodel, durant ton enfance ou bien ton adolescence, qui étaient tes idoles ou bien les sources à où quel mis la plus haut? Je suis toujours un enfant. Ah. انا كنت نصنت الشاب خالد كنت
تسنط شاب مامي شاب حسني الله يرحمه. كنت تسنط بزاف الراي. انت ليش مش شاب فوديل؟ راح قاش كاع قواو الشبان وكان بزاف الشبان، انا قلت باش نبان شويه نقول فوديل. On comprend rien. J'ai dit parce qu'il y a beaucoup de Chab. De Chab et pour qu'on me reconnaisse, j'ai dit je vais m'appeler Fodel. Chab veut dire, dire bien jeune. Chab ça veut dire jeune. Oui. Chab, Chouban, les jeunes. Voilà. Et tes sources d'inspiration? Beaucoup. Bah, Chab Hassani, Allah rahma, que Dieu ait son âme. Mm-hmm. Ça dépend. Une fleur, par exemple, elle peut m'inspirer. En France, il y a une fleur, une marguerite, où on dit, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Aussi, vous dites. Ouais, ouais, ouais. On a la même marguerite chez nous. Voilà, exactement. Et ben, tellement je t'aime. J'avais 15 ans quand j'ai pris ma plume et j'ai écrit tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime passionnément, tellement je t'aime à la folie. Tellement de break, le mot italic. Par exemple, une fleur m'a inspiré. Ça dépend beaucoup de choses. Yanni, peut-être ce soir, je peux m'inspirer d'une chanson. Ben, tu t'es inspiré de la fleur, mais à qui tu as adressé la lettre, cette le fleur, poème? Quand j'avais 15 ans, je l'ai fait comme ça, en fait. Pas ta mère, hein? Pas ma maman, non. Si tu veux faire ça maintenant, à qui tu vas t'adresser? Ma compagne. Ma compagne. Je vais te lire une lettre de Latifa, une maghrébine. C'est pas la chanteuse Latifa, c'est pas une Latifa connue, quoi. C'est une autre Latifa. Je n'ai pas de poème. Je n'ai pas de dessin de Fodel. Je n'ai pas imaginé de film dont il serait le héros. Je suis simplement la jeune fille de banlieue qui va bosser 8 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il sait de quoi je parle. Je n'ai qu'une chose à lui dire, c'est qu'en allant travailler le matin, j'écoute Fodel. Et alors, là tout va mieux, je suis de meilleure humeur. Latifa. Wow. Pourquoi tu as les larmes aux yeux? Je suis très sensible. Ouais. Ouais, j'ai. C'est touchant. Tu sais de quoi elle parlait, Latifa? Oui, parce qu'elle dit que je sais de quoi elle parle, parce qu'elle va subvenir aux besoins de sa famille. De sa famille. Et grâce à Dieu, grâce à ce métier, la musique, et la chanson et le cinéma, j'ai fait un cadeau à ma mère. J'ai acheté une grande maison pour ma mère. Et c'est la première chose que j'ai faite. Et c'est pour ça que je la comprends et je lui souhaite, Inch'Allah, d'acheter une maison aussi à sa maman. Et voilà, et puis je suis quelqu'un de très sensible. Mm-hmm. Voilà. Fodel, tu as joué dans 3 films au cinéma. Oui. Dans quel type de casting on te place normalement? C'est vrai que c'est dur. Quand, en France, on n'aime pas avoir beaucoup de casquettes. Être chanteur, acteur, présentateur. Moi, je sais pas pourquoi. C'est un métier artistique. Un artiste, il fait beaucoup de choses. Il peut faire du cinéma, il peut chanter. Vous êtes acteur. Ouais. Vous êtes présentateur. Mais allez, c'est il sera chanteur. Et chanteur, oui, peut-être. Oui. Mais c'était pas ma question. Un Bessalok. Dans quel type de casting on te place maintenant? Normalement, non, au cinéma. Quel rôle on te donne? Ah, le rôle de jeune arabe ou bien de... Non, justement. Alors, quand j'ai accepté de faire du cinéma, j'ai posé une condition. J'ai dit, je voulais pas faire des rôles de où je vole des sacs à main ou des... Non, on m'a fait confiance. Aujourd'hui, en France, on commence à faire confiance aux Maghrébins et on commence à leur donner des vrais rôles. Alors, le premier film que j'ai fait, c'est Jésus. Mm-hmm. Jésus de Nazareth, on a fait le film. J'étais le messager de Jésus. C'était un rôle inventé. Je m'appelais Baruch dans la Bible. Et voilà. Le deuxième film que j'ai fait, je m'appelais Karim et j'étais amoureux d'une fille.
Mais c'était vraiment des belles histoires. Et là, je fais une série sur M6. Ça s'appelle Samy le pion. Je suis un surveillant dans un lycée. C'est des vraies histoires. Mais c'est plus jeune que les élèves. Non. Tu parais plus jeune que ça. Le surveillant, c'est l'intermédiaire. C'est entre les deux. C'est entre les élèves et ouais. L'administration. Voilà. Et justement, j'ai un surveillant, il a 20 ans. Et voilà. Donc ça va, on m'offre des rôles sympas. Il y a des beaux rôles, des belles histoires. Tu as aimé l'expérience d'être acteur ? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai tellement aimé qu'on a signé 12 épisodes encore. Et je suis très content. Et en octobre, là, on va en faire encore plein. Et voilà. Alors, avec la sensibilité que tu as, tu peux jouer des rôles dramatiques ? Beaucoup. Oui. Beaucoup dramatique, je peux jouer des... Je ne sais pas faire le méchant. Mm-hmm. J'arrive pas. J'ai tellement une sensibilité que le méchant, je ne sais pas le faire. Quel rôle tu aimerais vraiment jouer ? Idéalement. Alors, ce que j'aimerais jouer, moi, comme rôle, j'aimerais jouer le rôle de Fodel. Le rôle de Fodel. Il y a un auteur français qui a dit « Chaque homme a trois caractères. » Okay. Oui. Celui qu'il a, celui qu'il montre et celui qu'il croit avoir. Fodel, combien de caractères il a ? Il en a un caractère. Oui. C'est qu'il demande. Lequel ? C'est qu'il demande d'apprendre tout le temps. Nisrine, il y a un caractère à me compter. Je demande à Nisrine quel caractère elle a. Il est bête une fille, Sherbel. C'est un caractère. Mon caractère. Je crois que maintenant, il est temps d'entendre la chanson « Tellement je t'aime ». Tira la 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 la
t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionné à mon rêve. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement l'ami, tellement t'aimé. Et on aime, et ça t'aimé. Tellement l'ami, et l'on t'aimé. La 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 la. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime. مشاهدينا وصلنا للفقرة يلي شربلوا أنا بنتحدى فيها بعضنا، نتحدى بعضنا لنعرف مين بيعرف أكثر عن أخبار الفنان الموجود معنا وطبعاً الليلة معنا فوديل. إذا أنا ربحت بهالتجربة بيربح حبيب خليل. في حال أنا ربحت تربح نالين باجاكشان. ألو. ألو فوديل. لو ديتكتور دو مانسونج. Charbel et moi, on doit deviner. Vous êtes des détecteurs de mensonges. On va deviner pour voir qui si pourra savoir les bonnes rumeurs des rumeurs qui sont fausses. La vérité ou le mensonge. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, première question. Je vais jouer dans un film sur la vie d'Elvis Presley pour TF1. J'ai discuté avec Sting pendant 15 minutes sans savoir qui il était. Je me suis marié avec Salma Hayek et on a divorcé une semaine plus tard. Je crois que c'est la deuxième que tu as parlé avec Sting pendant 20 minutes. Pendant 15 minutes. Moi, je dis la même chose. Oui, c'est la vérité. Ah. C'est la vérité. Bravo. Où tu l'as rencontré? Alors, Sting, je l'ai rencontré pendant un spectacle à Haflaf Bercy, 1, 2, 3 Soleil. J'ai été le concert. Il est venu dans ma loge, dans les coulisses. Il m'a dit bonjour et tout. Et moi, je croyais que c'était un producteur anglais. Et je ne savais pas que c'était Sting. Et c'est après 15 minutes, on m'a dit, c'est Sting. It's Sting. Et il a aimé le concert. Pardon? Il a aimé le concert. Il a très aimé le concert. Oui. Et depuis... Depuis, il a fait une chanson avec Cheb Mami qui s'appelle Desert Rose, c'est ça? Voilà. Ok. Alors, je possède une sirène de police dans ma voiture que j'utilise durant les embouteillages. Tu possèdes quoi? Sirène de police. Une sirène de police. Une sirène de police. Oui. Dans ma voiture. Continue. Voilà. À mes débuts, j'étais un garçon très timide. Et un jour, Rachida, il m'a mis une gifle pour me décontracter, pour être plus timide. Voilà. Et la troisième, c'est après un concert, j'ai dû appeler une ambulance pour rattraper un autre concert. Le troisième. La troisième. C'est la vérité. C'est égalité entre nous deux maintenant. Qui vous dit tout ça? Nous sommes égaux tous les deux. Pardon? Nous sommes égaux tous les deux. Vous êtes égaux tous les deux? Oui, oui. Ouais. Alors, donc je peux plus mentir. هلا بدنا نعرف هلا الفصل. نعم. هلا بدنا نفصل بين الشغلات. شو قصة هالامبولانس؟ L'ambulance, ah oui. Alors un jour on a fait un concert et on était tellement en retard et on devait aller chez Canal+ faire une télévision et ils ont appelé l'ambulance et j'ai fait exprès, j'étais malade comme ça. Oh, j'ai mal. Et la voiture, l'ambulance a fait tédédédédéd. Elle a traversé tout Paris, on est arrivé à l'heure, à la télé, on a fait la télé. Eh bien, c'est une fois que tu as fait. Tu as fait plusieurs fois. Tu as fait la première fois quand le producteur, et maintenant tu as fait la machine de l'ambulance. L'ambulance. C'est-à-dire que tu es un menteur. Moi? Oui. Non, je ne suis pas un menteur. Charbel, tu as fait beaucoup de choses, tu es un peu
وهيك بتبرر حالك انه اذا فضيل عم بيكذب عم تزبط معه ولا لا لا ما دام السليبرتيز عم يكذبوا ليش انا لا Il a okay, envie de faire la même chose. Voilà, pardon. Il a envie de faire la même chose. Eh ben, il faut que tu fasses pareil. Il faut appeler l'ambulance. C'est ce que je fais chaque jour. Je suis un acteur. il faut que je tourne ouais. un film et avec cette émission, c'est pour ça que il faut appeler l'ambulance. Ok. Non, mais en France, ça se fait beaucoup. Je vais prendre ça comme un conseil. Voilà. Ouais, c'est ça. Un ouais. conseil d'amis. Ouais, ouais. Ok. La troisième. La troisième, je n'ai pas de troisième. Ah, c'est un bassiné. Ben si. Mais c'est dur, c'est... Ouais, ouais. Maintenant, tu dois lire en libanais. Tu es obligé de lire en libanais. Je suis obligé de lire en libanais. Ouais. Ma ajabito sorte la dabi al amen bimatar amerikene. Fazat al passeport bi hawa. Fahamto ou ma fahamtoch? Fahamto chouette? Fazat al passeport bi hawa. كرات مجألة عربية بالمكلوب إيدم أوكي أدمو أدلين سي قريت مجلة عربية بالمقلوب قدام أحد النقاد أوكي السيني المديح سورتو الجزائر وما مدام وما حدا وما حدا عرفني عرفني ما فهمت انا ما علي بتعديل زرت الجزائر زرت الجزائر وما حدا عرفه انا جدي لا بروميير مو جيتي لا بروميير سي لا بروميير لا بروميير يلي هي كان موجود بمطار بامريكا وما عجبت الصورة للبوليس وكب الباسبور بالهواء. J'étais énervé. J'ai dit pourquoi je jette le passeport mais j'ai rien fait. Et puis voilà, elle a jeté le passeport. Tu n'as pas dit que tu étais Fadel et que tu es connu? Elle ne savait pas, me connaissait pas. C'était dans un pays où j'étais pas connu. Voilà. Ma عندك affiche du matar? Tu avais pas les affiches à l'aéroport partout? Non, je voulais dire moi je suis fanan kbir et tout. OK, انا ونسرين تعادلنا. Oui. فهمتي انا تعادلنا؟ L'égalité. L'égalité, oui. OK. تعادلنا. هلا معك كادو هديه. Oui. OK, لمين بدك تعطيها؟ Moi j'ai un cadeau. Tu dois choisir entre moi et elle. Le cadeau? Ouais. À qui je donne? Ouais. Je vais choisir les filles. Oh. Non, j'ai deux cadeaux. Tu as deux cadeaux. J'ai deux cadeaux. Quel regard vicieux, Fadel. Merci bien. Merci bien. Okay. Mon album. Oh, merci. Voilà. Merci. Mais tu avais un regard vicieux quand tu as regardé Nisrine. Pourquoi? Non, parce que je la trouve très jolie. Je trouve que c'est une très, très, très belle fille. Tout le monde la trouve très jolie, une très belle fille. On est quand même Miss Beyrouth avec nous ce soir. C'est Miss Liban. Miss Liban, pardon. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse. Mais, écoute, mais tout ça n'explique pas pourquoi tu la regardais d'une façon très... Séducteur, parce que je suis un séducteur. Je te défends, Céline. Je te défends. Pourquoi je te défends? Je veux dire que je veux dire que je suis très Merci, Fadel. Bon, okay. les cadeaux ne sont pas à nous, parce que Charvel et moi, nous avons choisi deux personnes du public, oui. Et c'est à eux qu'on va donner les cadeaux. Ouais. Ah. Alors, un CD va à Niline Bajakchian et l'autre à Najib. Habib. Najib Habib. À Habib Khalil. Habib. Habib Khalil. Habib Khalil. لكن هلا لحتى كنا عطينا سيديات لأصحابه رح نتوقف لحظات مع الإعلان نرجع متابع معكم برنامج ياعمري مع الفنان فضل خليكم معنا. مشاهدينا معكم مع ياعمري مع ضيفنا الليلة الفنان فوديل. فوديل, نسرين et moi, on va te donner 7 mots. Oui. Et tu dois répondre avec la première image ou bien la première pensée qui te passe par la tête. Je dois dire la vérité. Tu es prêt? Ok. Ok. Allez. Prêt? Je suis prêt. Les blondes. Les? Blondes. Les blondes. Les blondes, les femmes. Belles, belles femmes, blondes. Tellement je les aime, je pense à elles.
Les brunes. Les brunes. Samara. Président Bouteflika. Président Bouteflika, c'est président de l'Algérie. Première rencontre avec un chef d'État, c'est ma première rencontre que j'ai fait avec le président Bouteflika qui m'a reçu en Algérie, à Alger. Voilà. Mente la folie. Mente la folie, c'est une chanson. Mente la jolie. C'est une chanson que j'ai écrite et c'est un roi qui s'appelle Louis XIV, je crois, qui a dit, en fait, la ville, elle s'appelait Mente. Mente, c'était une duchesse et c'était sa maîtresse. Il disait, je vais aller voir Mente, je vais aller voir ma jolie à Mente. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il l'appelait Mente la jolie. Le racisme. Le racisme, 20% les dernières élections présidentielles. Ça a été très dur, c'est un moment très, très difficile, parce que nous, tous les Maghrébins, nous avons eu très peur, parce qu'on s'est dit que l'extrême droite va passer, et puis on ne va plus exister. Voilà. Le Pen. Grosse frayeur, parce qu'il est très méchant avec nous. Et c'est quelqu'un de très méchant. Et avec nous, tu veux dire les Arabes. Avec nous, les Arabes, ouais. Voilà. Mais on a eu très peur parce qu'il a failli devenir président. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi, c'est Chirac. Ya'amri. 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 Ya'amri, ma vie. Oui. Ouais. Ma vie, tout simplement. مشاهدينا هلا رح نستقبل خيو لفوديل حكيم يلي هو خيو وبذات الوقت مدير اعماله حكيم حكيم بونسوار ري بونسوار حكيم bienvenue à ياعمري merci tu es le manager de Fodel Raconte-moi, comment c'est de travailler avec son frère ? Bah, de travailler avec Fodel, c'est. Enfin, je vais pas lui lancer des fleurs, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille agréablement. C'est quelqu'un de très simple, très facile à travailler. Mm-hmm. Il est jeune, je le connais, c'est mon petit frère. Je peux le dire, hein, Fodel. Et puis voilà quoi. C'est... Ok, maintenant entre nous. Oui. Combien tu voles de l'argent de ton frère chaque mois ? Je lui vole 20%. 20%. Ah, c'est tout ? C'est tout. Non. Il me vole 80%. Parce que c'est toi qui travailles. Non, c'est lui. Enfin, moi, je prépare tout ce qu'il y a à préparer avant, mais sinon, qui est au charbon, comme on dit en France, c'est lui, quoi. Ok, parmi vous deux, qui possède la plus grande villa ? Je veux la vérité. Moi, j'ai ma une mère, petite... maman. C'est ma mère, voilà. C'est ma mère, maman. Maman, elle a une très grande maison. Elle est plus grande que la mienne. Et c'est lui qui lui a offert. Ouais. Et moi, j'ai une maison modeste. Ça va. Elle est simple. Voilà. Comme toi. Comme moi. Vous êtes une famille de 7 personnes. 7 frères, ouais. On n'a pas de sœurs. 7 frères. Et vous êtes tous musiciens. Non. J'ai un frère qui chante. Oui. Qui est plus grand que moi. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Chef... Fares. Chef Fares ? Non. Fares, pas Chef. Fares. Et j'en ai un autre qui s'appelle Rani, qui est musicien. Oui. Et puis c'est tout. Voilà. Et les autres ? Les autres, ils sont jeunes encore. Non. Non, il y a des hommes d'affaires. Il y en a deux au-dessus. Il y a quelqu'un qui fait du business. Il y a un coiffeur. Un coiffeur. Enfin, c'est, ouais. Vous avez tout dans la famille. Il y a presque tout. Il te coupe les cheveux ? Moi, ouais. Oui. Il nous coupe les cheveux. Non, j'avais un grand coiffeur. Oui. En France. Et je lui ai demandé de faire des coupes. Mais. Il n'arrivait pas à faire... Mon frère, il coupe très simple et très bien, efficace. Ton frère a du goût. Rapide, ouais, voilà. Ouais. Il peut faire pour les femmes. Et rapide et tout. Oui.
T'es satisfait? Voilà, très satisfait. Très bien. Alors, je crois que c'était difficile. C'était dur pour votre mère d'avoir sept garçons. Oui, moi je pense que, enfin, pour toutes les mères, que ce soit une famille nombreuse, c'est toujours difficile pour l'organisation dans la maison. Oui. C'est-à-dire que si la maman, elle n'est pas forte de caractère, elle se laisse mener par leur enfant. Par tous les... Voilà. Alors, toi, tu étais un enfant turbulent? Ouais. Tu faisais de sales coups? Tu faisais de sales non. coups? J'ai aidé ma maman. Des fois, c'est pas de mensonge. Non, écoute, pas de mensonge. Wallah. Des fois. J'ai aidé ma maman parce que chacun faisait son coin. Moi, je faisais mon lit. Mm-hmm. Des fois, je l'aidais à faire la vaisselle. Et voilà, chacun faisait sa partie. Mm-hmm. Mais je disais que la maman, si elle ne met pas. Les limites, elles se laissent mener par... Et quand on a beaucoup de garçons, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des filles aussi. Okay. D'avoir un équilibre entre les filles et les garçons pour vivre en parfaite harmonie. Voilà. Hakim, est-ce vrai ce qu'il est en train de raconter? Non, c'est vrai. Non, mais je vois un sourire assez sarcastique. En même temps qu'il raconte, ça me remémore des souvenirs. Oui. Quoi. Tout simplement. Et ça, l'axe, votre dernier massage. Et tes souvenirs à toi? Mes souvenirs à moi? Ça se correspond? Ça se correspond, oui, c'est vrai? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai qu'il rendait service beaucoup, il aidait ma mère. Il n'a jamais fait un sale coup. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Comme tous les jeunes. Mais tu es toujours un enfant, c'est ce que tu as dit. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Alors, tu fais toujours des sales coups? Non, j'étais pas très turbulent. J'étais. Il était vif. Mam Djaoubne, tu ne réponds pas. Non, écoute, j'étais pas. Je faisais des bêtises. J'ai jamais été à la police. Jamais. J'ai jamais été là. Jamais, c'est vrai, jamais. Parce que depuis tout petit, je faisais des concerts. Ok. Hakim. C'est vrai ou pas? Okay. Non, c'est vrai. Ok, je vais demander à Hakim une autre chose. Wallah, n'halif b'Allah. Saddaqni, Hakim, rah nesma hala Fadel, il ghani lna aghniyat el-lila.
مشاهدينا رح نستقبل هلا باتريك بولوس مدير المبيعات بشركة يونيفرسال للشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية. باتريك أهلا وسهلا فيك ببرنامج ياعمري. ميرسي. حضرتك لبناني. نعم. ولكن بتشتغل بشركة أجنبية يونيفرسال. نعم. وأنت مدير المبيعات. نعم. مسؤول عن الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية. مزبوط؟ مزبوط. قلت حضرتك إنه لبنان هو شباك كل الدول العربية بمبيع السادة. أكيد قلت هالكلام بس إذا ممكن فضل أحكي بالفرنساوي لأنه قلت في ليبان إلى فيترين ريجيونال دو ديسك. إكزاكت. بس فضل أحكي بالفرنساوي بس لأنه الموضوع بفكر إنه مهم شوي وصحيح إني لبناني بس تركت البلد وقت كنت كتير صغير وبرتاح أكثر بالفرنساوي إذا تفضل تفهموا. Clairement, le Liban est une vraie vitrine pour la région en matière de culture et de musique essentiellement. Avec tout ce qui se passe ici, tant au niveau du ministère de la Culture qu'au niveau de la création, de la production musicale, que des centres, des concerts, des forums, des festivals comme le festival de Baalbek, le festival de Béthédine, il est certain que le Liban peut être une vraie caisse de résonance pour toute la culture du Moyen-Orient et pour la culture occidentale qui passerait par ici pour après être déversée sur tout le reste du monde arabe. Mais il y a des gens qui disent que c'est l'Égypte, la vitrine l'Égypte, pour vendre les disques, pas le Liban. Il n'y a pas vraiment un pays qui serait plus une vitrine qu'une autre. Aujourd'hui, il se trouve que le Liban permet à des facilités structurelles et culturelles qui permettent ça. L'Égypte est clairement le pays où la création et la créativité autour de la musique, historiquement, est le plus abouti. Mais je reste convaincu qu'au niveau infrastructurel, le Liban permet la meilleure exploitation de cette culture, pour plusieurs raisons. Premièrement, la présence des médias. Deuxièmement, la proximité avec l'Europe. Et troisièmement, l'ouverture culturelle du peuple libanais, finalement. Patrick, vous êtes un grand collectionneur. Vous collectionnez quoi ? Je collectionne des CD. Depuis ma plus tendre enfance. Des CD de qui ? N'importe quel CD ? Non. Je suis un grand fan de quelques artistes. Michel Bellet-Tassadatou ? On a un ami en commun. Il m'a dit qu'il collectionne Des CD. Je vous promets que ce n'est que des CD. Ce ne sont que des CD. سيرين إذا بتعرفي قولي لنا. أنا بعرف بس ما في يقول لأن مش لأنه نحن أصدقاء مع باتريك بقدر أحكي الأشياء اللي هو ما بده يقولها بس فكرت إنه كان عنده شجاعة أكثر إنه يقدر يحكي على التلفزيون. بس ما خذ شجاعة بدي أعرف عن شو عم تحكوا لأنه فوديل. ريبي هو بيقول لك عن شو عم بيحكي. ريبي is a mystery man of the night. Let's not talk about him. Est-ce que tu connais qu'est-ce que Patrick collectionne? Pour moi, il collectionne des CD. Des CD. Alors, je pense. CD de Fodel. Alors ça va être le mystère de la soirée. Des CD de Fodel. Voilà. Des CD de Fodel. Voilà. Combien de CD tu as? Moi? Combien de CD? Oui. 2, 3, 4. 5 CD. 5 CD. 5 CD. Mais ça ne fait pas une collection, pas 5 CD. C'est le début. Non, j'en ai pas mal des CD, j'en achète aussi, j'en demande à la maison de disques, j'en achète d'en offrir. C'est vrai que Universal, qui est quand même une grande multinationale, je voudrais reprendre ce qu'il disait par rapport au Liban. C'est vrai que l'Égypte, c'est vrai que tout le monde dit l'Égypte, mais je pense qu'il n'y a pas de vitrine, comme on dit, de cette musique orientale. Ici, il a parlé des médias, la communication autour de... Aujourd'hui... Grâce à Universal, grâce à... Tu es du même avis ? Je pense qu'ici à Beyrouth, on est diffusé dans tout le Moyen-Orient. Je pense qu'ici, il y a le matériel pour... Et c'est comme à Dubaï aussi, il y a beaucoup il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de matériel aussi, je pense, des studios. À Beyrouth, ça commence à devenir comme Paris. Et je parle musicalement, on a de grands chanteurs ici, on a... des gens, des grands classiques comme qui viennent là, comme George Wassouf, Raghib Alama, Kazem, enfin tous ces gens-là, Nawal Zorbi, Najwa Karam. Oui, j'adore Férouz, qui est quand même grande, une grande, voilà.
qui est une grande Sabah aussi, de aussi ouais. Et qui sont des et je crois que c'est la plaque tournante de la musique orientale et c'est pour ça qu'aujourd'hui un homme je suis là ici à Beyrouth grâce à Universal et voilà à Patrick. Patrick, tu peux nous dire c'était quoi le chiffre d'affaires d'après la vente du dernier album de Fodel ? Alors, on ne va pas parler au chiffre d'affaires, on va plutôt parler en nombre de ventes de disques. D'accord. Le premier gruit de Fodel, c'était Tellement je t'aime, mm-hmm. qui en single a vendu en France 500 000 singles et 400 000 albums. Mm-hmm. Sur le nouvel album qui est Samra, on en est à 200 000 aujourd'hui. C'est un album qui a un an. Et qu'on continue à travailler avec notamment le deuxième single qu'on sort maintenant et qui est La main dans la main que vous avez écouté ce soir. Patrick, بدي انتقل لموضوع ثاني, موضوع الفوتبول. نعم. حضرتك توقعت خسارة الفريق الفرنسي قبل ما يخسر. وفضل كمان قال لي انه الفريق الفرنسي عرف بده يخسر قبل ما يخسر حتى كيف عرفت؟ عرفت لانه بباريس بظهر كثير وكل الفريق لقيه كل ليلة بالنايت كلوب. حتى وقت كانوا بكوريا. لا اكيد لا بكوريا كانوا عم بيتدربوا متنظمين اكثر ايه كان لازم فوديل comment tu as prédité que les français vont perdre moi il y a quelques années quand j'avais dit que la France elle allait gagner ouais. tout le monde rigolait de moi c'est vrai mes pronostics c'était ça Hakim pensait que c'est le Brésil est-ce que Fadel c'est un vrai prévoyant ah ouais sérieux ouais. ouais il a ce don là aussi je me trompe rarement sans prétention. Et là, j'ai dit que la France elle allait être éliminée au premier tour. Une fois de plus, on rigolait de moi, on disait c'est pas vrai, la France elle va aller jusqu'en au moins demi-finale. Et j'ai dit que le Brésil, d'après les pronostics, allait revenir. C'est vrai. Ouais. Elle est sortie au premier tour. Mais ça veut pas dire que j'aime pas l'équipe de France. C'est-à-dire que elle a, comme on dit, cool. Voilà. Chaque équipe a son temps. À son moment, pardon. راح نتوقف مشاهدينا لحظات مع الإعلان وبنرجع منتابع مع لعبة الأنينة بعد البريك. وصلنا هلا للعبة الحقيقة والجرأة وصدقوني حتى لو كانت بالفرنساوي بس رح تكون كتير حامية اللعبة هلا لأنه ثلاثتهم شباب وثلاثتهم بيعرفوا بعضهم كتير منيح ورح يعرفوا شو يطلبوا من بعضهم. Alors Fadel, Hakim et Patrick. Vous connaissez le jeu, c'est tu oses tu dis la vérité. Oui. Alors tu dois tourner la bouteille. Oui. Et on va voir par qui on va commencer. Vas-y. بس قبل نسري بدنا نقول بدنا منهم الحقيقة كل الحقيقة وماشي إلا الحقيقة. À toi. Ouais. Je dois dire la vérité. Oui. Non. Rien que la vérité. Maintenant c'est à toi de choisir Hakim ou Patrick et tu dois leur demander s'ils veulent la vérité ou s'ils veulent oser. Hakim. Patrick. Aïe. Patrick. Action ou vérité. 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 Action. Non, j'ose pas. Action. Non, j'ose pas. Alors, c'est nous qui décide. Moi, Nisrine. Bon, on décide. C'est action. Action. Eh bien, osons. Tranili. Ornia. J'aime ça. Tranili. Ornia Lubnania. Ornia Lubnania. Ornia Lubnania. Une chanson libanaise que j'ai chantée avec Rahba Alama qui s'appelle Chef Naayounek. شفنا عيونك جننونا خلونا نحطر خلونا لحضر دوبونا ولعونا رميونا بالنار شعرات طويل خلى قلبي ميل خلى ليلي طويل
خلاني محتار ليل 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 يا عين ليل يا عين ليل يا عين ليل. برافو باتريك. برافو باتريك. لازم تترك البزنس بلش تغني. لازم تترك البزنس بلش تغني. مش هيك نحن بالشو بزنس بس انا راه كنت بزنس. تركت الشو لالو واخذت البزنس. نعم. اوكي. فضل. اون اوتر فوا. اون اوتر فوا. انكور. Ouais, ne triche pas. Vous avez la bouteille. Ouais. Je ne triche pas. Hakim. 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 Ah. Voilà, c'est à toi de choisir, oui. Action, c'est à toi de choisir. Ouais. Ah. Fadel. Action, ouais, ouais. Fadel. Tu oses ou... viens, là, viens là, viens là. Tata, Fadel. Viens, viens. Aude matra, Hakoun. Alors, tu oses ou tu dis la vérité? Je ose. D'accord. Il ose. Il ose. Je vais te demander. Je peux te demander tout ce que je veux. Ouais, ouais, oui, mais bien sûr. Tout ce que je veux. Oui, oui. Je vais te demander d'aller jouer de la batterie là-bas. Oh. Allez, non. Allez, allez, tu vas, tu vas. Allez, allez. Laisse-moi ta place. Allez, Fodel. Et donc, hein? Est-ce qu'il a joué de la batterie avant? À la rocker. Hein. Ah, c'est tout? Continue. Bravo. Bravo. Ça a été bien. Ok, ça suffit. يلا رجع على مطرحك اتا بلاس مسيو والبروم لانيني j'ai beaucoup de respect pour les batteurs parce que c'est très difficile de faire la batterie c'est très dur donc je voudrais qu'on applaudisse notre batteur qui est ce soir avec nous pas d'excuses بروم لانيني Patrick, non, 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 c'est Fodel, notre frère. Encore une fois, Fodel. Ouais. Tu, Hakim. Oui. J'en étais sûr. Action ou vérité? Action. Bien sûr. Je peux oser? Ouais. Ouais. Ose. J'ose. Ose. Abuse pas. Tu me suis lavé les drapeaux, quoi. Non, non. Tu vas jouer dans le bouc. Ok, j'y vais. Tu l'as appelé comment? Darboul? Darboul? Non. Derbeke. Derbeke. Tu m'as dit Derbeke? Non, Derbeke. Tu dis Darboul. Darbouka. Darbouka. Yalla, bismillah. Chefna, yalla. Yalla. وهرن وهرن رحت خسارك هجر منك ناس اشطار يا وهرن رحت خسارك هجر منك ناس اشطار قاعد في الغربة يا حيار والغربة صعيبة غدابة يا وقعد في الغربة Mais c'était pas mal. Hakim, c'était pas mal. Il connaît. Hakim, il a joué avec moi déjà.
بنصحك خليك بالبزنس. امبروفيزاسيون لا 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 شرب الشرب حتى بالبزنس. سي با با سي ميو لو بيت تي ميو مو جي لا ميو اسوري مو وي encore encore moi je veux conseiller c'est la dernière fois je voudrais juste dire un dernier mot si je veux conseiller à tous mes amis de venir ici faire cette émission pour comme ça ils amènent leurs amis ici sur le plateau comme ça s'ils ont une revanche à faire eh ben ils jouent à ce jeu et ils font cette revanche voilà maintenant c'est le tour de Patrick de se venger. C'est pas encore dit, c'est pas encore gagné. Je peux moi encore me venger. Okay. Patrick. C'est de la tricherie là. On triche pas ici. Non, on triche jamais. Sérieux. Faudel, oui. Tu oses dire la vérité. Action ou vérité? Action, action. Qu'est-ce que le public, on action, va demander au public. Action. Et qu'est-ce que je dis le public? Action, là. Le Brésil, action. L'Allemagne, action. Les deux actions, ok. Eh ben, action. Alors, action. Oui. Moi, je sais, historiquement, que tu as chanté une chanson en arabe alors qu'elle est d'origine française. Oui. Une chanson de laquelle beaucoup de gens au Liban sont de grands fans. Charles Aznavour, La Mama. La Mama, Charles Aznavour. En arabe. Ah oui, oui, oui. Mais sur scène. Sur scène, sur scène. Ahbabi jaou kullhom hada ghir sma'ou lkhbar jaou w rani nghni hada lila Ahbabi jaou kullhom hada غير سمعوا الاخبار جاو وراني نغني هذا الليله حفله الليله حفله الليله الف غنيه عربيه نكتبها بيديا لحبابي وليا يا وتقول بنيا يا جايب هدية وتغني معايا وتقول لي مبروك عليك مبروك عليك يا مبروك عليك هاد الحفلة Hakim et Patrick Boulos, je vous remercie. Merci d'avoir participé à ce jeu et à l'émission. Merci à vous. Mais c'était un plaisir. بس رح تبقوا معنا لأنه رح نسمع آخر غنية اليوم من فوديل وهي لما دان لما يد بيد فضل
نبغيك ونموت عليك نبغيك ونموت عليك ديني ما راك ديني وعليك نغني بريد من مجروح زين الثواني شافونا الخبزات شلاحونا البيضات اخذونا المصريات غلونا المحروقات البضايا غلوها والضرايب زادوها والكنيسة حبوها فوتونا بالحياة. مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة، اسمحوا لي ولو بلمحة سريعة خبركم شوي عن فضيل. اسمه الأصلي لفوديل هو فاضل بلوى، خلق بستة حزيران سنة 1978 بمونت لاجولي بفرنسا. هو من أصل جزائري، بلش بالفن وقت ما كان عمره 13 سنة لما التقى بمنتج وأقنعه بموهبته. أول فرقة لفوديل كان اسمها لزيتوال جغاي، وسجل أول أسطوانة بعنوان بيضة ولقيت نجاح كبير. حفلة أندو تروا سولي بالاشتراك مع شاب خالد ورشيد طه جمعت وقتها أكثر من 17 ألف مشاهد وباع السي دي 10 ملايين نسخة. أما أغنية تلمان جوتام باعت 500 ألف نسخة والألبوم 400 ألف نسخة. شارك بعدة أفلام منذكر منهم لو باتمان ديل دي بابيون مع أودري توتو وجزيو دي نازاغيت في الموتاني. أول مرة حيغني فيها فوديل بالجزائر رح بتكون بثلاثة تموز ليشارك هنيك بإقامة حفل عيد الاستقلال، ونتمنى له كل التوفيق. يمكن ابتسامة فوديل أو صغر عمره وطريقة أدائه وصلته لقلوب الناس ببساطة وبدون تعقيد، أو ممكن أنه يكون عنده ذكاء ووسع رؤية كرمال يقدر يقدر الأمور يلي رح تجي. أنا بأكد لكم أنه فوديل بيجمع بين البساطة والذكاء، ونحن بنتمنى له كل التوفيق، وبنتمنى نشوفه سنة الجاي جايب معه سديات أكثر ويكون عنده حفلات أكثر وشهرة أكثر. فوديل، est-ce que tu aimes la cuisine libanaise? J'adore les mezés. J'adore les. À Paris, je mange beaucoup libanais. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Taboulé? Sandwich. Les sandwichs? Quel sandwich? Shawarma, par exemple? Shawarma. Shawarma. Kefta. J'aime bien knefe le matin. Mm-hmm. Knefe, hello. Et les mezés? Et les mezés. Hummus? Hummus. Hummus mtabbar. Araïs? Araïs. Araïs. Tu as faim maintenant? Non. Est-ce que tu as faim maintenant? J'ai très faim, oui. J'ai faim. Tu sais qu'il a 350 plats de mezés au Liban? Je ne savais pas. Ok, nomme-les. Moi non plus. Tu dois les nommer. Tous les 300. Tous les 300, oui, je donne. 350. T'en fais pas, moi. Même moi, je ne le sais pas. Vous ne les connaissez pas? Je crois que tu n'as pas mangé depuis le matin. Depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Et c'était quoi la raison? Parce que nous, on a travaillé beaucoup. Hein? On a beaucoup travaillé.
Oui, tu as beaucoup travaillé. De la promotion. Mm-hmm. Et tu ne manges pas pendant le travail. Et c'est pour cela, voilà. Ouais. C'est pour cela qu'on ne peut pas manger. Tu as peur que la digestion prend toute ton énergie. Exactement. La et d'avoir sommeil. Prend, voilà, le sommeil et se rappeler avant. Tu dois avoir faim maintenant. Oui, j'ai très faim. Uh-huh. Oui. Tu crèves. Pardon ? Tu crèves. Je crève de faim. Oui, mm-hmm. Tu crèves de faim. Alors, c'est pour ça, tu ne dois pas quitter le plateau. Oui. Avant de dîner, une mezée, ouais. Libanaise, bien sûr. Libanais. Oui. Ah ouais. Ouais. Avec plaisir. مشاهدينا نحن بيعمري عرفنا انه فضيل بحب كثير الميزه اللبنانيه والاكل اللبناني مشان هيك حضرنا له مفاجاه راح نشوف كلنا صور شو راح يفوت من الباب هلا هونيك بدنا راح كلنا بالشيف عبدو يلي رفقنا الليله واكيد برانيا وسارة Fadel, je crois. Là, في كتير أكل بس ما عم نعرف شو هن. هذا حمص مع زيتون فوديل سي دو حمص تي كوني لو حمص سي دو باشيش avec du tahini الحمص نعرف الحمص وي سي هذول فطاير اي سي دي فاي دي فين avec du riz vous appelez ça fataya voilà des olives vertes libanaises محشي ورق عنب. Ça a l'air bon, hein? Feuille de vigne. Je peux goûter? Mais bien sûr. C'est quoi ça? Hada, hada aussi. Ça, c'est des feuilles de fromage. Ra'at. On appelle ça ra'at. Ra'at b'jibni. Il y a du fromage en dedans avec du persil. Sahatkoum, j'koun yakoul ma'a. Merci, chef Abdou. Merci, chef Abdou. Merci, chef Abdou. نسري منك جعانة ما بدك تاكلي شيء طبولي 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 اوكي Tu as commencé à manger, mais je voulais encore te poser une dernière question pour ce soir. Puisque c'était la première fois que tu participes à une émission arabe, je voulais bien savoir ton impression. Alors ma première impression, moi je suis très content et très heureux de partager ce moment avec vous, avec tous les Libanais, avec tous les Arabes qui vont nous regarder. Et Inch'Allah, j'aimerais bien revenir la prochaine fois où Inch'Allah, nous allons parler de l'Ubnani. Inch'Allah. Et je veux dire merci à tout le monde, aux musiciens. Beaucoup et tellement je vous aime, je pense à vous. Fadel, tu vas pas manger tout seul. Non. On va appeler Patrick. Ah oui, bien sûr. Ou Hakim. Patrick et Hakim. Patrick et Hakim. Patrick ou Hakim. Alors, ok, à table. Prends place. Merci. Tu as faim? Fadalo, c'est du pain. Ça, normalement, il est chaud, ça. Oui. Mais vas-y, mange. C'est du pain de la montagne. Je crois que tout le monde a faim. Patrick, tu aimes? Ça, c'est la signature, c'est le livre d'or. Tu dois signer ta photo et puis écrire
un gentil mot à ياعمري. مشاهدينا، يمكن الليلة صعبناها عليكم شوي، في منكم يمكن اضطروا يلبسوا عيناتهم لحتى يقروا الترجمة، بس مثل العادة ياعمري مضطر يلبس أو بحب يلبس حلة كل ضيف بيجي لعنده. على كل حال، اللغة ما بحياتها كانت عائق أمام التواصل بين الشعوب. بتصور فوديل الليلة بطبيعته بروحه الحلوة قدر يوصلكم كل شيء بده يقوله بكل حب، وبتصور كان جو كتير حلو. لكن هيك بتخلص حلقتنا لليلة. نسرين وأنا بتمنى لكم سهرة ممتعة مع برامج المستقبل، وخليكم معنا على الأسبوع الجاي بذات الوقت. وموعدنا معكم الأسبوع القادم، خليكم برفقة ياعمري.